Gagnez le jeu d'arcade à Frenzy Field ou Slappy Shore. Donc pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs emplacements que vous pouvez voir ici sur la carte. Moi, je vais aller ici à Frenzy Field et je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Alors, aux emplacements indiqués sur la carte, vous avez des bornes d'arcade. Et ce que vous allez devoir faire, c'est d'interagir avec. Et là, vous avez un petit point vert. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est de le contrôler avec les flèches qu'il y a en bas et de l'amener au X comme ceci. Voilà. Hop, hop, et sur la gauche. Et voilà, là, j'ai terminé le défi et je débloque les récompenses. Conduire une moto rogue à la craie des dérapages, à la station sauvage et au pont des baies néons. Donc, pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver une moto comme ceci. Donc, pour vous aider à trouver une moto, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Donc, il faudra vraiment ce modèle-là, hein, pas un motocross. Pas une motocross, il faut vraiment le modèle de moto de ville, hein, si je puisse dire ça comme ça. Ensuite, quand vous avez cette moto, vous allez devoir vous rendre ici aux emplacements qui est indiqué sur la carte, aux trois emplacements. Voilà, et dès que vous aurez parcouru ces trois emplacements, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Tirez sur des cibles avec un pistolet mitrailleur ou un fusil d'assaut en étant sur des rails de glisse. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Mega City, donc juste ici sur le gameplay. Et à ces emplacements, vous avez des rails. Donc, pour aller dessus, il suffit juste d'appuyer sur carré ou de sauter dessus, tout simplement. Voilà. Et là, ce qu'il vous faudra, c'est un fusil d'assaut ou un pistolet mitrailleur. Donc, moi, j'ai un fusil d'assaut. Et vous allez devoir tirer sur les cibles. Mais il va falloir tirer sur les cibles en étant sur les rails. Donc, comme ceci. Donc, voilà, c'est assez tranquille, hein. Hop, vous tirez sur trois cibles et dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Gagnez le jeu d'arcade à Lonely Labs. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Lonely Labs et tout simplement jouer à la borne d'arcade, hein, comme je vous ai montré en début de vidéo. Dès que vous aurez réussi le jeu d'arcade, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Rétablir le récepteur de données. Donc vous avez trois emplacements possibles pour réaliser ce défi. Donc vous en avez un juste ici à côté dans le Ville Square et vous en avez deux autres à Mega City. Alors je pense qu'il faut rétablir deux récepteurs. Donc moi je vais aller ici et ensuite je descendrai juste là. Donc les récepteurs, vous les voyez affichés avec un point d'exclamation quand vous approchez et vous avez juste à interagir avec pour réparer le récepteur numéro 1. Donc là je vais me rendre au deuxième emplacement pour faire le deuxième. Ok, donc le deuxième emplacement est juste ici, hop, je répare le récepteur et dès que vous aurez réparé deux récepteurs, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Fouillez un ordinateur pour trouver des preuves de sabotage. Donc vous avez deux emplacements possibles, vous avez ici sur le gameplay et à Lonely Labs. Donc moi je vais aller ici et je vais aller enquêter sur ça. Alors quand vous approchez de l'emplacement, vous avez comme d'habitude un point d'exclamation qui vous indique l'emplacement. Et vous avez juste à interagir avec l'ordinateur pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Parlez à Evie ou à Thunder. Donc pour réaliser ce défi, vous avez deux emplacements, soit à Knokinet ou soit à Steamy Spring. Donc moi là je suis près d'Evie, donc je vais aller lui parler. Et dès que vous lui aurez parlé, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses.